Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon Ramadan pour les personnes concernées. On va préparer ensemble poulet haché au four avec du riz. Dans un moule à charlotte, il est très bon et présentable. Moi j'ai haché 4 cuisses après les avoir désossées. C'est parti, on va commencer. En premier, dans un récipient, on met le poulet haché, un œuf, un oignon râpé ou une échalote émincée finement. 4 cuillères à soupe de chapelure, 50 ml de crème liquide. Assaisonnez avec du sel et du poivre noir. Mélangez le tout. Ajoutez une petite cuillère de moutarde. Une fois les ingrédients bien incorporés, prenez un moule à charlotte bien beurré. Saupoudrez un peu de chapelure ou de la farine. Chemisez le moule avec la farce qu'on a préparée. Pour vous faciliter cette tâche et qu'elle ne colle pas à vos doigts, trempez-les dans un peu d'eau. Essayez d'obtenir le même niveau. Passons à l'étape suivante. Préparez du riz blanc cuit dans l'eau salée. Ajoutez des épices de votre choix. Du masala par exemple. Moi, j'ai pris des épices orientaux, spéciales pour kepsa. J'ai mis des fruits secs et quelques myrtilles sauvages. Mélangez le tout et versez dans le moule. Tassez légèrement, puis couvrir avec un papier aluminium. Pour la cuisson, ça prend une heure. Dans un four à 200 degrés. Une fois cuit, laissez 10 minutes avant de démouler. Préparez une sauce blanche pour présenter votre plat. La sauce, j'ai pris un oignon, 2 gousses d'ail, les mêmes épices que j'ai mis dans le riz, un peu de sel et du poivre noir, et une pincée de safran. À la fin de cuisson, j'ai ajouté 100 ml de crème liquide. Laissez bouillir quelques minutes, puis retirez du feu. Pour présenter notre fameux plat, on va le démouler dans une assiette, napper la sauce dessus. J'ai décoré avec quelques olives et quelques tranches de citron. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Bon appétit.